PEGI 18. Donc, taille épique. Donc, deux petites secondes, je suis en train de régler quelques petits détails, désolé, hein. Ça prend un petit peu de temps des fois de paramétrer quelques trucs. Donc maintenant je vais vous faire sourire, c'est que j'ai un petit peu amélioré la coque du bateau. Mais très légèrement, hein. C'est que encore c'est pas quelque chose de très extraordinaire pour le moment. Et je vais essayer de faire quelque chose de beaucoup plus dur cette fois-ci, attaquer les navires légendaires. C'est parti. Comme ça vous permettra de voir ce que ça donne. Allez, on y va, on va tout à fond, j'ai un petit peu plus de canon. Hein. Là, espérons que j'arriverai vraiment à m'enrichir, sinon je vais devenir fou. Parce que pour avoir un petit peu d'argent, c'est une énorme galère sur ce jeu-là. Je vous assure, hein. Ça pique. Hein. Et vous, arrêtez de chanter. Hein. Ouais, parce que parfois, en fait, c'est délicat. Parce que ce qui m'énerve avec les bateaux légendaires, c'est qu'ils sont pas... Plutôt les navires légendaires, c'est qu'ils sont pas seuls. Ils sont accompagnés à chaque fois de plusieurs individus. Et ça, je vous assure, c'est assez chiant, quoi. En tout cas, le bateau, je vais l'améliorer à fond, mais ça coûte quand même de l'argent. Et pour trouver de l'argent, il faut vraiment faire des batailles, etc. etc. Ça, c'est galère, quoi. C'est même chiant. Je ne vais pas vous mentir. Allez, vas-y. On va passer un petit peu à l'allure de croisière pour accélérer un petit peu le tempo. Donc, je sais pas si j'arriverai à survivre. Parce que d'habitude, ça va. J'ai quand même quelques avances. Mais j'ai juste renforcé la coque et mis quelques canons supplémentaires. Bon, plutôt deux canons supplémentaires. C'est pas avec ça, à mon avis, que je vais aller très très loin. Mais bon, après mieux vaut de temps en temps faire quelques petites batailles navales comme ça. Parce que je sais que c'est ça qui rapporte le plus d'argent en fait. Hein, parce qu'il y a une technique toute simple, je vais essayer de la tester si c'est effectivement le cas. Parce que bien sûr, les navires légendaires sont accompagnés de deux navires, généralement. Donc il faudra neutraliser qu'un seul, prendre le bien, et ne pas abattre les deux parce qu'ils disparaissent. Et si vous faites ça, ça veut dire qu'en fait vous aurez pas mal d'argent d'une façon illimitée. Donc je vais voir si c'est techniquement possible ou pas. Donc après, pourquoi pas tester, hein. Moi je suis ouvert à tout, hein. Mais bon, ça se trouve pas non plus à côté, hein. Ça c'est loin loin loin. En tout cas, mon navire il commence un petit peu à prendre de la puissance. Mais il y a un truc que j'ai toujours ignoré, c'est les mortiers. J'ai trouvé ça vraiment pas intéressant, mais je me suis rendu compte qu'ils font beaucoup de dégâts, même beaucoup plus de dégâts que les canons que je peux déployer. Mais comme un idiot, je les ai jamais je les ai jamais encore améliorés à fond. Donc j'essaierai de le faire prochainement dès que j'aurai de l'argent, dès que j'aurai le métaux, etc. Donc là on arrive presque. Regardez la vitesse quand même, hein, que ça va. Hein. Hop là, il est tout seul. Oh, j'espère qu'il est tout seul. Il a combien de pourcents celui-là? 75. Ça c'est un gros paquebot, je vous le dis. Hein. Ça va pas blaguer. Hein. Bon, vous m'avez demandé des batailles légendaires, je vais essayer de les faire. Mais c'est une galère pas possible, hein. Je vais essayer de vite m'esquiver, de tout le temps, de pas lui faire de cadeau. Et ben voilà, regardez-moi ce navire de dingue qui vient vers moi, regardez, hein. Je vous le dis, à mon avis, je vais déguster, hein. Si j'arrive à l'attaquer, comment je suis heureux. Attends, voilà. On va accélérer. Bon, en tout cas, ils font pas beaucoup de dégâts, mes mortiers, hein. Faut savoir que les bateaux légendaires, là, les navires, ils blaguent pas avec vous, hein. Il m'a déjà... Oh putain, il m'a déjà fumé carrément la coque. C'est pas vrai, tu blagues. En fait, vite, il y a deux façons d'esquiver. C'est ne pas du tout aller sur lui. Attendez, je vais essayer de jouer un petit peu plus différemment. Oh là là. Par contre, j'ai pas de boulet comme la frégate machin là. Ça aurait été cool ça. Ah, vas-y, il va encore me rentrer dedans ce petit con. Mais en fait, son point fort, c'est qu'il rentre dedans. Voilà, c'est ça son point fort. Faut vite que j'esquive cette connerie. C'est possible. Je déteste les navires légendaires. Ils sont trop durs à toucher. Oh putain, laisse tomber. Il m'a carrément fumé toute ma coque. Oh. Qu'est-ce que tu fais, Body? Tire. On dirait que t'as peur. Ce qui est bien, par contre, avec les navires légendaires, c'est qu'ils vous attaquent pas tout de suite. Voilà, mortier. Je sais pas si le mortier il arrivera à le prendre. Et merde. Ralentir carrément. Non, non, accélère. Ah, il va me fumer mon bateau. Ah, ça sent le drame.
Il est quand même. Oh putain, il y a juste un truc qui me rend fou. Il a combien de pourcents là? Mais qui suis-je? Mais... Hey, mais des fois, la navigation sur ce jeu là, elle est horrible. Ah, je lui ai rien fait en fait. Oh putain, le mec il m'a carrément. Je lui ai juste touché un quart, un cinquième de sa puissance. Ça va, pour l'instant, il a l'air de disparaître. Il est quand même dur, hein. Genre, il me dit c'est 20 000 $, mais. Ah, il y en a deux? Tu blagues, il n'y en a pas deux là. Ah, j'avais peur qu'il y en avait deux. Mais si j'arrive à me le faire, je vous assure comment on sera heureux. Parce que vous allez voir tout l'argent qu'il y a. Il y a 20 000 quand même à récupérer. Ah, putain, il m'a vite fumé quand même. Hein. Allez, viens, petit, petit. Mais comment je me suis bien éloigné. Lui aussi en train de s'éloigner. Hein. Il n'est pas si malin que ça. Hein. Bon, il est plutôt malin, plus malin que moi, je voulais dire. Aïe, 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 aïe. Désolé, c'est un peu le stress, là. Qu'est-ce que je dois faire? Vite, vite. Suspense. Merde, mais... Ah, des fois les orientations, hein, c'est assez relou. Ah, lui par contre, son point fort c'est qu'il adore des... Bon, c'est bon, on est mort. Je suis mort. Il va me péter carrément ma coque. Il est hyper relou comme navire. Mortier vide, body. Oh, c'est long de verrouiller les navires. Allez, accélère. Je sais même pas si je l'ai eu, le mec. Il est quand même plus impressionnant que moi. Hein. Ah, c'est pas vrai. Bon, ça y est, je suis mort. En un coup, vous avez vu, il m'a touché avec son marteau, je suis mort. Bon, on va le réessayer. Hein. Je veux pas me laisser faire. Hein. Je m'en fous. Faut que je le touche. Même si ça prendra 2000 essais, c'est pas grave, j'essaierai de le toucher. J'ai quoi faire, j'ai une bonne coque. J'ai pas mal de canons. C'est juste qu'il faut pas que je me laisse toucher, en fait. Mais je vous dis, hein, vous voulez des navires légendaires, bah bon appétit, accrochez-vous. Hein. Ça pique, hein. Regardez son marteau, c'est surtout le marteau. Hein. Juste un grand coup et le mec, il te flingue, quoi. Attends, il arrive en face de moi. Ouais, bah viens droit sur nous, faut vite qu'on dégage de lui. Mais le problème, c'est que ça accélère pas tout de suite. Oh lolo, là, il va me flinguer. Non, ça va. Mais, eh, bout. Oh, le canon. Eh, mais l'orientation, c'est ça qui me saoule, en fait. C'est la navigation. Ah, bah, le mec, il m'a carrément en train de contourner aussi l'axe. Accélère, s'il te plaît, le navire. Il revient sur moi. Si j'arrive à tout le temps garder une bonne trajectoire comme ça, je le tourne, c'est bon, il fera rien. Mais il a une puissance. Oh lolo, laisse tomber, accélère. Putain, mais je sais pas quoi il tire, mais il est en train de me défoncer tout mon navire. Attendez. Le problème, c'est que je suis à fond sur ma course et ça lui fait rien du tout. Ah, tout ça pour des réales, c'est une galère, hein, mais ils ont vraiment compliqué la tâche. Hein. En plus, il y a marqué que c'est facile, mais c'est mon cul que c'est facile du tout, ouais. C'est des grands menteurs, hein. Oulo, il tire où, lui? Oulalalalalala, il tire même pas des canons, il tire carrément tout un déluge de feu. Non, faut pas que je me laisse, mais... Ah, la mer, là, commence pas. Ouais, bah d'accord, bah, il va droit dessus, c'est pas vrai. C'est du n'importe quoi, des fois. Ouais, charpentier, tu m'étonnes qu'il va avoir du taf. Ça lui fait rien, pourtant je suis à fond, mes boulets sont... C'est pas vrai. Me dis pas, faut que pour neutraliser ce genre de petite connerie, il faut avoir un navire à 100%. Allez, mortier, vite. J'utilise tout ce que j'ai comme artillerie, hein. Il va passer par où là? Enfin, tout ce que je lui fais, ça lui sert à rien. C'est pas impressionnant. Voilà, vous qui voulez des batailles légendaires, débrouillez-vous tout seul la prochaine fois. Allez, il va encore m'entrer dedans ou pas? Ah, il va m'entrer dedans, merde. Et comme par hasard, je suis en train de ralentir. Oh là là, vite, 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 esquive-moi ça. Je suis obligé de la jouer beaucoup plus malin. Ah, mais des fois tu veux tirer comme ça, ça marche pas. Tu veux tirer de l'autre côté, ça ne fonctionne pas aussi.
En fait, il me touche une fois, je tombe. Une fois. Hein. Et à droite, trois tentatives, le mec, hein, contrairement à moi. Mon mortier, il va pas le toucher. Ouais, il s'éloigne. Putain, fais chier. Reviens. Ça va, il est un petit peu plus endommagé que tout à l'heure. Mais je vous dis, je pense pas gagner la partie là. Donc désolé si vous allez subir que les défaites. Mais pourtant, j'ai un navire bien à fond. Hein. Mais il est encore plus coriace que je croyais. Et c'est ça qu'ils appellent facile chez Ubisoft. Franchement, ils ont même pas fait un truc où. Ah, là, il va faire demi-tour. Donc faut vite que je parle de l'autre côté. Mortier. Il va passer par là. Mortier. Passe par là. Merde, merde, merde. Comment le contourner sans qu'il monte dedans? Oh là là, oh là là. En plus, il va pile sur moi. Il va pile sur moi. Oh, d'accord, il m'a carrément fumé en un coup. Je comprendrai jamais ce navire. Oh là là, en plus, il attaque. Oh, laisse tomber, laisse tomber. Ne me touche pas. C'est pas vrai. En plus, il y a une tempête. Non, mais allô. Vous êtes pas sérieux. Tiens, mange tous les trucs. Je t'envoie la totale. Mortier. Je pense que ça c'est des navires pour les attaquer qu'au mortier. T'inquiète pas, je vais finir par l'avoir. Ouais, oh putain, laisse tomber. Il va me fumer. Les boulets, c'est un déluge de trucs que tu te prends. Ouais, donc comme quoi, vous voyez, c'est pas que je peux pas vous faire les navires légendaires, c'est que c'est impossible de les faire. C'est pas que j'ai pas forcément le niveau, mais j'ai pas le navire approprié. Et là, ça pique. C'est ça qui me dégoûte sur ce assassin là, c'est qu'il faut avoir beaucoup, mais beaucoup, beaucoup d'argent. Bon, j'ai essayé une dernière tentative, mais je vous garantis rien. La pire de mes défaites, je crois que ça va être celle-là. En fait, faut pas qu'il me percute avec son marteau. S'il me percute pas, tout se passe bien. Et celui-là, j'ai l'impression que c'est l'un des plus coriaces. Parce que, waouh, il est quel niveau lui? 75, laisse tomber. Faut pas qu'il me touche. Oh putain, il tire même des boulets devant. Oh, blague pas, il m'a. Mais je sais pas si vous voyez la patate qu'il a. Ouais, je vais rester même statique exprès, juste pour le verrouiller un peu plus davantage. Ah, mais c'est pas vrai, viens là. Mais viens ici. Oh, les navires légendaires, bon appétit. Hein. Putain. Déjà qu'il faut avoir pas mal d'argent, mais dès que t'as pas, et en plus tu veux te faire un petit peu de machin, tu peux pas. Hein. Ah, c'est vraiment un jeu à part cette fois-ci. Hein. Aïe, 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 aïe. Franchement, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que c'est pas abusé, franchement, déjà qu'on manque d'argent. Et regardez les navires, en deux secondes, ils vous flinguent. C'est quoi, je reste même immobile, vas-y, comme ça je vais vite fait en chercher un autre pour vous montrer qu'il n'y a pas qu'ici qu'on arrivera à faire ça. Non, on va faire autre chose. Le navire est là. Ok, je vais essayer d'attaquer les autres navires légendaires. Ouais, juste ici. Donc attends, on va faire un truc tout simple, on va passer en déplacement rapide. Ah les connards, c'est impossible. Ah ouais, mon coq, ma coque elle est morte, hein. Ça c'était à prévoir, hein. Qu'est-ce que je vous ai dit? Bon, 3 défaites, 0 kill tué. Désolé pour cette partie, mais c'est pour montrer aux petits joueurs qui ne croient pas que c'est assez galère. Ouais, j'en ai marre. Bon, maintenant, on va passer à autre chose. Attends, tu vas où comme ça, toi? Donc, navire légendaire, celui-là, c'est pas la peine de rêver. Il est quasiment imprenable. Je vais essayer d'en tenter un où il y en a deux. Donc, bien sûr, c'est juste ici. Donc, on va faire un truc qui s'appelle avance rapide. Déplacement plutôt rapide. Non, mais putain, c'est quoi ce jeu pourri, sérieux? Abuser des fois leur truc. Attends, là, ici, c'est possible ou pas? Ouais, d'accord. En fait, j'ai compris pourquoi. Faut se casser de là. On va attendre là. Peut-être c'est ça, hein, peut-être que je me trompe, mais à mon avis, faut que je dégarpisse en maximum de la zone d'agression.
Ah mais c'est une super galère comme jeu, hein. Qu'est-ce que vous en pensez franchement, hein, les navires légendaires, c'est pas une connerie. Mais non, on va voir si maintenant c'est techniquement possible de se déplacer plus vite. Ah, je vais devenir fou leur touche, comment tu te perds des fois. Ah là 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 là, vas-y, prends la touche ici là. Et fais-moi ce déplacement rapide. Non mais non, mais c'est une blague ce jeu, c'est une blague. Je me suis fait chier, pourquoi, dites-moi? Ah, au secours, j'espère que le prochain 500 va être beaucoup mieux parce que celui-là, je le trouve sympa mais saoulant à force. Hein. Tu manques tout le temps d'argent, tu manques d'amélioration sur ton bateau. Les autres navires légendaires, bah, tu peux quasiment pas les détrousser pour le moment vu que t'as pas le bateau qui est à 100%. Oh, c'est une galère. Plus l'argent, c'est ça qui manque. C'est tout le temps la même histoire. Les échoppes, ça rapportait de l'argent tous les 24 minutes. Hein. Non, et là ils ont décidé de nous emmerder, de pas mettre ça. Démerdez-vous, naviguez, faites tourner le jeu. Ce qui est bien en fait comme ça, c'est que pendant ce temps-là, c'est peut-être inconscient ce que je veux dire, mais les joueurs sont indirectement obligés de pouvoir passer plus de temps davantage sur le jeu. Et ça arrange beaucoup les constructeurs. Hein. Pourquoi? Parce que chacun ou chaque joueur qui passe du temps sur leur contenu, ben, ça leur laisse le temps de pouvoir travailler sur l'autre contenu. Ouais, ça c'est marrant quand même. Hein. C'est qu'en fait, on fait pas forcément vite le tour. Ouais, moi bah, de toute façon. Maintenant, on va se diriger vers celui-là. Normalement, il y en a deux. S'il y en a deux, je peux être peut-être sauvé. Donnez-moi de la toile! Parce que parfois, il y en a un, parfois, il y en a Éperez! deux, parfois, il y Donnez en a la même toile! trois. Trois, je dis des conneries, mais il y en a déjà deux. J'étais déjà confronté à deux navires légendaires en même temps. Bon, ils sont quand même coriaces. Hein. Je vous préviens, c'est deux niveaux 75. Et si vous avez de la chance, bah, vous allez limite être endommagé et survivre. Arrêtez de s'en chanter là. Oh, c'est chiant, je te jure. Je me suis mis dans un let's play, mais super galère quoi. C'est que financièrement, je savais que ça allait être de la galère au bout d'un moment. Et que le bateau, si tu l'améliores pas tout de suite, bah tu ne pourras pas forcément poursuivre tes quêtes. Et après, les missions principales ne t'aident pas forcément à gagner de l'argent. C'est assez bizarre comment c'est fait, vous allez me dire, mais c'est comme ça, hein. J'aime bien Assassin, mais parfois je trouve que ça manque de beaucoup de choses. Hein. En tout cas, depuis le 3, il y a pas mal eu, il y a beaucoup de changements. J'aimais bien les précédents, c'était moins prise de tête, quoi. J'imagine pas les prochains qui vont arriver en Égypte, etc. Ça va être quoi? Ça va être la tombe à Toutankhamon. Faudra la fouiller de A à Z pour trouver, par exemple, je sais pas, des élixirs bizarres, de la jouvence ou je sais pas trop quoi. Non, mais on va sortir des choses bientôt. Plus en plus improbable. Donc dernière tentative, après on passe à l'autre let's play qui sera basé sur la mission. Donc c'était juste pour montrer aux gens, pour vous montrer que les navires légendaires c'est un énorme casse-tête et que franchement je suis pas, j'aimerais bien les faire mais je n'ai pas forcément tous les bons outils à portée de main dans un premier temps. C'est pas que je sais pas forcément pas jouer, hein, loin de là. Hein. Parce qu'après c'est beaucoup plus facile de regarder une vidéo que de le faire soi-même. Vous allez voir un jour, dès que vous allez voir Assassin, que les navires légendaires c'est pas évident de les attaquer. Donc là c'est quoi? Ouais, bah merde, j'en ai deux maintenant. Oh, Levez le 2,75, roi, bah, je suis mort, capitaine! je passe quoi avec 2,75? T'es beau, toi. Deux navires 75, non mais je sais pas, ils sont partis chercher où leur idée. Même mes coques qui sont à 100%, ils font rien du tout. Donc je vais essayer de tenter une tentative assez bizarre, c'est rentrer dans les deux. Amusez-vous bien, hein. J'en ai eu un, vous avez vu comment c'était une galère, maintenant j'en ai deux, c'est une énorme galère. Et c'est parti. Espérons qu'ils arrivent à se détruire tous. Regardez tous ces canons, je sais pas, ils ont au moins 60 ou quoi? Je vais foutre quoi avec ça, moi? Bon bah les amis, hein, ça va pas durer longtemps, je vous le dis. Hein. Vous étonnez pas que je vais mourir au bout de 2 minutes. Et s'ils arrivent à me serrer des deux côtés, je suis foutu. Faut que j'essaie d'engager le combat avec un des deux. Voilà. En fait, faut que je me focalise que sur un seul pour le moment. Mais ça va être délicat parce qu'il y en a deux. Allez, les mortiers. Oh, mais en plus, je déteste les canons, hein, les barils de machin derrière. Oh là là. Mais regardez-moi cette puissance de feu qu'ils sont en train d'utiliser contre moi. Aucune chance. Lui, il va m'entrer dedans, il va m'éclater la moitié de ma coque. Regarde, là, je vais tourner exprès et il va me la péter quand même. Moi, tu veux que j'attaque deux navires en même temps, sachant que j'ai pas beaucoup de puissance. Mais par contre, j'ai l'impression qu'il prend un peu plus de dégâts. Je me concentre, je crois, que plus sur celui-là.
Eh mais il a plus de navires de... Il a plus de puissance au niveau de la croisière. Ah bah là je suis foutu, hein. Oh là là. Ouais, charpentier, il aura du taf, hein, crois-moi. Hein. Ça va, celui il mange un peu. Hein. Oh, il va m'éclater la coque, je vous le dis. Ouais. Il est un peu plus facile, mais c'est quand même galère parce que t'en as deux. En même temps, donc les deux, c'est deux fois plus de taf, quoi. Je sais pas forcément les trucs à fond quoi. Donc comme ça, ça vous a permis de voir un petit peu les navires légendaires et n'hésitez pas à me dire vraiment qu'est-ce que vous en pensez, parce que moi c'est pas les trucs que je kiffe. Hein. C'est plus des parties où tu te fais vraiment éclater la gueule, mais c'est génial quoi de présenter ça sur un de mes let's play. Mais bon, je me suis dit allez, vu qu'ils voulaient voir ça, parce que beaucoup me demandent ça dans les commentaires à chaque fois. Donc je me suis dit bon, tant pis, vous allez voir ce que c'est et venez pas pleurer après. Que c'est de ma faute ou je sais pas pourquoi. Hein. Moi je fais tout mon possible, hein. Malgré que ça me saoule quand même, hein, de pas faire face à ce genre de navire. C'est chiant quoi, c'est emmerdant même. En fait, ce qu'il faut, c'est limite le navire que j'avais tout à l'heure, là, le Royal machin là. Alors, ça, je sais même pas si je les toucherai, bah tu vois, hein, super loin. C'était bien, c'est que si mes mortiers feraient un peu plus de dégâts, ça aurait été cool. Mais le problème, c'est que c'est la seule chose que je me suis pas concentré. J'ai tout amélioré sauf ça. C'est génial, hein. Eh, ils se sont bien éloignés quand même, hein. Je vais pas vous mentir. En un coup, ils me fument, hein. Et pourtant, il y en a un qui a déjà pris un sacré coup. Allez. Oh putain, c'est pas vrai, ils sont en train de fumer aussi. Oh, il est en train de bien manger celui-là, non. Ah, il a bien dégusté celui-là, je vais pas vous mentir. Allez, un petit coup de mortier, rien que pour t'aider encore plus. C'est lui de moi qui m'embête, s'ils auraient mis un comme ça, ça m'aurait arrangé. J'ai l'impression qu'il est un peu plus facile ou c'est moi qui c'est plus psychologique, ou je sais pas. Lui, il est dangereux, il va droit sur moi. Oh merde. Ouais, c'est foutu. Eh ouais, c'était foutu. Je le sentais bien. Donc moi, je vais essayer de vous retrouver pour le prochain let's play directement en mission. A tout à l'heure. Mais comptez plus sur moi pour faire ce genre de conneries. Hein. C'est franchement désastreux. Désastreux. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Bien sûr, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, tentez l'aventure. C'est gratuit, ça vous permettra d'avoir pas mal d'exclusivité sur des jeux vidéo que je suis en train de développer rien que pour vous. Et tout simplement, suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Les liens sont dans la description. Moi, je vous retrouve pour d'autres vidéos. À bientôt, prenez soin de vous.